Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc haul bon plan cadeau. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui donc j'espère que ça va pas être trop dérangeant. Donc tout d'abord avec le magazine donc Marie Claire, donc c'était aux alentours des 3 euros. Il y avait le choix entre un débardeur ou un t-shirt comme ça marinière de la marque Princesse Tam Tam. Donc moi j'ai opté pour le t-shirt. Donc franchement ce que j'ai bien aimé, donc c'est un col rond comme ceci. Et au niveau des rayures entre guillemets, ce sont pas vraiment des rayures, ce sont des petites vagues, donc je trouvais que ça changeait un petit peu. Donc voilà, donc il est assez long, il arrive en dessous de la taille, franchement il est très sympa, la qualité est très sympa. Donc pour 3 euros je trouvais ça plutôt cool. Pour celles qui m'ont demandé, je pense qu'au niveau de la taille ça correspond à peu près à un 38-40 je dirais. Ensuite avec le magazine Public, donc il y avait une perche à selfie. Donc moi je vous en avais présenté une, j'en avais acheté une chez Action en fait, mais plusieurs fois mon téléphone a manqué de faire une grosse chute. C'est ce petit câble en fait qui l'a retenu, donc j'ai voulu investir dans une nouvelle. C'était pas franchement donné pour un bon plan magazine, pardon, puisque c'était aux alentours des 7 euros, mais franchement très pratique. Donc là c'est un système de ressort, donc pour celles qui m'ont demandé, je pense qu'il est adaptable effectivement sur tout portable. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est au niveau du manche, comme ça vous avez donc plein de petits ananas, donc très estival, et donc avec le petit câble pour accrocher sur le téléphone, et ici un petit bouton donc pour enclencher photo ou vidéo. Donc franchement j'en suis super contente. Ensuite chez Intermarché en fait, l'année dernière, donc sur mon blog, je vous avais, parce qu'on était venu ici aussi en vacances, je vous avais dit que j'avais acheté deux bougies de la marque Intermarché, donc de la marque Apta, des bougies à la vanille. Cette fois-ci, cette année, j'ai pris framboise, puisqu'ici c'est une maison qui est inhabitée pardon, tout au long de l'année. Et du coup ça sent un peu le renfermé, même si là grâce au beau jour on a pu aérer largement. J'aime bien moi les petites bougies. Et franchement celles-ci sont pas mal du tout. Donc là j'ai pris donc framboise. Donc c'est une odeur sucrée de framboise avec une petite pointe d'acidité, franchement très sympa. Ça vaut pas les Yankee Candle, hein, soyons clairs. Mais moi je la brûle le soir, je l'éteins juste avant d'aller nous coucher. Et franchement le matin ça sent super bon la framboise dans toute la salle à manger, même dans toute la maison. C'est franchement très agréable et ça vaut aux alentours des 2 euros, donc pas de quoi s'en priver. Ensuite un gros coup de cœur, donc de la marque aussi, donc via le site Octoly, j'ai pu recevoir gratuitement trois produits en fait capillaires. Et alors coup de cœur, gros coup de cœur. Donc c'est tout d'abord j'ai reçu donc le shampoing, donc c'est celui-ci. Donc c'est une gamme en fait qui est spécifique on va dire pour les cheveux secs ou comment dire assez abîmés, et franchement un shoot de bonheur sincèrement. Depuis que j'utilise ce shampoing, donc depuis qu'on arrive en vacances, donc j'utilise, et ma fille aussi qui a les cheveux très secs, franchement j'ai les cheveux tout souples, tout doux, mes petites ondulations sont revenues, ils sont bien hydratés, ils sentent super bon parce que ça sent un peu le bonbon, le bubble gum, c'est vraiment une odeur mais à tomber. Ça sent trop bon les filles, franchement il faut absolument au moins aller sentir ces produits là, ça sent vraiment super bon. Donc c'est à l'huile de noix de macadamia d'Australie et ils disent donc infuse ces principes hydratants au cœur des cheveux secs et abîmés pour aider à les nourrir, à les adoucir, et c'est exactement ça. Donc j'ai le shampoing, l'après-shampoing donc comme ceci en 250 ml, le combo est juste magique, franchement j'en suis dingue. Et j'ai aussi reçu en 250 ml donc le 3 minutes miracle que je connaissais déjà. Je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne, j'adore ce produit. C'est vraiment un shoot d'hydratation pour les cheveux, c'est vraiment top. Que ce soit les cheveux de ma fille ou mes cheveux, on a les cheveux tout souples, tout doux, bien hydratés et surtout qui sentent super bon. Toujours via Octoly de la marque Gillette cette fois-ci, j'ai reçu donc le petit rasoir comme ceci de la gamme Vénus. Donc déjà à transporter, c'est juste hyper pratique dans son petit boîtier. Donc c'est un petit rasoir qui se présente comme ceci. Il est hyper efficace quoi. Sincèrement, au-delà du côté très pratique à transporter, pour celles qui voyagent régulièrement, qui partent en week-end, franchement c'est hyper pratique à glisser dans son sac. Et en plus, il est super efficace. C'est-à-dire que des fois, moi avec des rasoirs, je suis obligée de repasser. Du coup, bah, je m'irrite la peau des jambes forcément. Et là, un passage suffit. En plus, il y a des lames, il y a 5 lames, puis il y a un côté hydratant, lubrifiant. Donc du coup, ça évite toute irritation. Franchement, c'est génial ce truc quoi. Sincèrement, je connaissais pas, mais... je vais me racheter un lot de lames d'avance, comme ça je me dis bah quand les lames seront terminées, bah, j'en changerai simplement, parce que franchement c'est vraiment super ingénieux et super pratique. Donc pour celles qui l'ont acheté pour cet été, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour me dire bah, ce que vous en pensez. Ensuite toujours chez
Intermarché, en fait, je suis tombée sur le livre de la youtubeuse, donc Noémie Makeup Touch. Donc moi, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, hein. Je suis abonnée à sa chaîne. J'avoue, je regarde pas toutes ses vidéos parce que je suis abonnée à beaucoup de chaînes. Et moi, en général, je regarde des vidéos donc le matin en me préparant ou en donnant un biberon, ou le soir en me démaquillant. Donc du coup, bah, je suis un peu obligée de trier. Mais c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup par son côté très positif, très enjoué, très souriante. Et du coup, j'avais bien envie de la découvrir davantage. Je vous avoue que je suis un peu déçue sur son livre. Je l'ai lu très rapidement, en deux jours c'était bouclé, parce que finalement j'en ai pas appris beaucoup plus que ça sur Noémie. Tout ce qu'elle écrit, bah je me suis pas dit oh tiens, une découverte, pas du tout, je savais déjà, et pourtant je suis pas toutes ces vidéos, donc pour celles qui sont très assidues, je pense que vous apprendrez malheureusement rien du tout. Pour celles qui ont aimé le livre de Marie, donc de la chaîne Enjoy Phoenix, vous allez certainement l'apprécier, puisque c'est le même concept, avec plein de petits chapitres. Donc elle parle de ses problèmes de peau, de ses voyages, un peu d'YouTube, des choses comme ça. Mais si vous n'avez pas apprécié le livre de Marie, donc de la chaîne Enjoy Phoenix, je pense que vous, malheureusement, vous n'apprécierez pas plus celui-ci. Donc voilà, après, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est quelqu'un de très positif, c'est-à-dire que là-dessus, je me suis retrouvée, c'est-à-dire que même quand tout va mal, j'arrive à voir du positif. Moi, je suis pas quelqu'un qui me prend la tête avec des trucs qui n'en valent pas la peine. Je passe mon chemin assez rapidement. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, j'ai rien appris de particulier. Donc si vous le trouvez, s'il y a une réédition à petit prix, je vous conseillerais d'attendre la réédition, parce que c'est quand même un livre qui vaut dans les 13 ou 14 euros. Donc c'est pas donné, je trouve, pour le livre d'une youtubeuse, surtout que ce ne sont pas des écrivaines dans l'âme, hein. Mais sinon, je sais pas, j'ai peur que la plupart soient un petit peu déçus. Il est sympa, hein, mais sincèrement, comme je vous dis, sans plus, maintenant, je pense qu'elle est très fière de son livre, donc c'est cool. Voilà, ouais, sans plus, sincèrement, sans plus. Je sais pas, en fait, si je vous le conseille ou pas, parce que je vous dis, vous allez rien apprendre de particulier sur elle. Tout ce qu'elle écrit, on le sait déjà, par contre, hein, c'est pas, voilà, on voit qu'elle est simple et réelle dans ses vidéos, mais bon, voilà, sans plus. Et pour finir, donc un bon plan Sephora, mais il me semble que c'est réservé qu'au Gold. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous la partager en barre d'infos. Donc avant de partir en vacances, j'avais reçu un courrier pour pouvoir échanger des bons de moins 10%, donc contre une carte cadeau, donc ce que j'ai fait. Donc j'en ai ramené 4 puisque c'était 4 maxi, et j'ai pu avoir une carte cadeau donc de 20 euros, donc valable jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc bah, de cette année, hein, tout simplement. Donc du coup, pour l'instant, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, quelques nouvelles. Donc la voiture est immobilisée, mais quand elle sera réparée, on ira certainement faire un peu de shopping sur Poitiers. Donc je verrai peut-être pour utiliser cette carte cadeau, ou je vais voir, parce que au mois de septembre, c'est le mois de mon anniversaire. Donc généralement, on a un bon d'achat de 30 euros. Donc peut-être les cumuler pour me faire un beau cadeau, je verrai. Mais je trouve le concept super sympa, parce que souvent ces bons-là, on les utilise pas. On préfère forcément utiliser moins 20 ou moins 25%. Donc je trouve ça plutôt cool. Voilà, j'espère que cette vidéo haul bon plan cadeau vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais à tous et toutes de très très gros bisous. Ciao !